Il y a 4 damiers, 4 loups, 4 marcassins. Les gens doivent être partis à 14h15. Oui. Attention, les caméras sont là. Trois huîtres lardeaux, trois élevaux, trois risottos de veau, deux rables pommes rosés et un faisan. Pierre Huynance, l'homme qui a promu son restaurant au rang de triple étoilé. Le recordman en longueur du 3 étoiles hors France. Un ambassadeur de la gastronomie belge, celle qui a du goût et de la saveur. Un véritable Tintin rapporteur qui parcourt le monde pour la défendre. Comme ici, à Paris, quand la SNCF invite pour fêter les 25 ans du TGV Pierre Huynance, 25 chefs étoilés issus de ses principales destinations européennes. On le trouve partout où il y a quelque chose à dire sur les produits de qualité. Une défense du patrimoine qui lui tient à cœur et qu'il n'hésite pas à valoriser en compagnie de ses confrères restaurateurs. Qu'est-ce que tu penses de la cuisine belge en général ? En France, par exemple, chaque région défend ses produits. En Bretagne, on ne va pas manger un plat du midi et vice-versa. Moi, je trouve qu'en Belgique, c'est typiquement belge, je trouve. On n'est pas assez fanatique pour défendre nos produits ou nos sportifs ou n'importe quoi. On parle toujours de la cuisine française, la cuisine italienne, la cuisine espagnole. On s'en sert. On doit ça donne quand des même bases. Une fois montré qu'on a quelque chose en Belgique. On a une cuisine belge et on a mais moi, je sais pas. Évolue. Quand je voyage, je trouve qu'on mange très bien en Belgique. Hein. Ah, c'est sûr, ça. Puis il y a pour tous les prix. Ben, je trouve qu'en Belgique, on peut manger, très bien manger bon marché et on a de très bons restaurants gastronomiques. Et ce qu'il y a aussi, c'est que dans l'ensemble de toute la cuisine belge, elle est surtout très savoureuse. Moi, je trouve qu'on doit se gêner pour personne. C'est un homme qui a beaucoup de qualités, très exigeant, très méticuleux, mais je le suis aussi un peu, donc de ce côté-là, on s'entend bien, on se comprend bien. Mais ce n'est pas toujours facile, c'est vrai. Il travaille du matin jusqu'au soir. Il n'est jamais à l'arrêt, même les week-ends. Il est toujours à la recherche de faire quelque chose, de même point de vue recette. Maintenant qu'il a laissé la place à Lionel, il dit toujours, oui, j'ai quelque chose en tête, je vais expliquer ça à Lionel, ce que je voudrais faire. J'ai une vraie admiration pour sa femme, qui est une femme élégante, attentionnée, patiente. Tous les clients ne sont pas comme j'aimerais qu'ils soient. Il y en a qui sont difficiles, bruyants et ainsi de suite. Et elle prend tout ça avec dans sa foulée, je dirais. Et elle donne un certain ton de classe et d'accueil à ce qu'est le restaurant. Quel est le plus beau jour de votre vie ? Ma rencontre avec ma femme. C'est le 18 mai 67. J'étais parti pour faire plaisir à des amis de mes parents dans une suite, dans une ferme, dans la campagne. Je me suis demandé ce que j'allais faire là. Et puis... voilà, donc vous voyez, vous ne savez pas prédire l'avenir. Et, j'ai rencontré ce jour-là une très jolie fille. C'était le mariage de sa sœur. Je l'ai vue dans la cour de la ferme, elle commençait à diriger un petit peu tout le monde, mais tout le monde, l'un dans la suite de l'autre. Je me suis dit, c'est une jolie fille, il y a du caractère dedans, enfin, soit. Bon, ben, ça me plaisait beaucoup et bon, ben voilà, on s'est rencontrés tout à fait fortuitement. Elle avait trois vœux. Elle ne voulait pas travailler dans un restaurant. Elle ne voulait pas vivre en appartement.
et elle ne voulait pas vivre en ville. Elle a eu les trois. Deux filles naissent de cette union, Laurence et Véronique. Je crois que je peux dire que je suis un homme comblé. Il y en a une qui continue le métier, l'autre, elle a fait un MBA. C'est elle qui gère tous nos bâtiments, elle gère mes contrats et elle s'occupe encore d'autres choses. Mais elle vit à côté de nous. Comme chaque jour, tout le monde se retrouve pour le repas en commun dans le petit salon du restaurant. Un rituel familial qui en dit long sur l'unité du clan Winans. Tous les trois mois, on se voit au moins, on fait un conseil de famille et on fait un quartier général d'abord. Pendant une heure ou deux, on dissèque un petit peu, on essaye de voir tout ce qu'il faut améliorer et après ça, on fait la fête. Surtout dans le couple, qu'il faut beaucoup de patience et beaucoup d'indulgence. Mais ça, c'est... Heureusement que tu en as beaucoup. Hein. J'ai la chance d'être tombée sur toi. Pour équilibrer le stress. C'est surtout le stress de tous les jours. Parce que ce n'est pas un mari très reposant. Hein. Dans le temps aussi, on partait. Ben, on prenait toutes ces recettes avec pour faire écrire ses livres et tout ça. Hein. Dans le fond, pour notre vie familiale, on n'a pas eu vraiment beaucoup de détente. C'est la vie de tous les restaurateurs, ça. Hein. On n'a pas à se plaindre. Hein. On a trois jours de congé, on en a eu suffisamment. C'est pas toujours facile d'être une épouse d'un restaurateur. Mais c'est pas toujours facile d'être une épouse tout court aussi. Dans les avantages, les inconvénients, dans tous les métiers, dans tous les... Je te fais bien à manger. Ben moi aussi, je te fais à manger. Ça, c'est une excuse. C'est un perfectionniste, ça, c'est tout à fait clair. Et donc, dans ce contexte-là, il ne doit pas être facile tous les jours. Parce que les perfectionnistes, c'est très, très bien par rapport aux résultats, mais c'est extraordinairement exigeant par rapport aux gens qui l'entourent. Mais c'est un perfectionniste. Ça n'a pas été facile tous les jours, c'est un fait, mais qui nous a apporté des choses importantes de la vie et qui a essayé d'être là, même s'il n'avait pas beaucoup le temps. Comment, d'après vous, vos proches vous définissent-ils? Comment les proches me définissent? Que je me parle peut-être pas suffisamment. Je compense par autre chose. Je me souviens quand on était toute petite, il allait nous conduire le matin à l'école et c'était toujours le stress de savoir si nos chaussures étaient propres, si on avait bien tout, si tout était bien en ordre. Mais à côté de ça, je garde quand même le souvenir d'un papa très généreux. Si je dois déterminer mon père, je dirais que c'est un homme qui a beaucoup de valeurs, qui est impressionnant, qui a réussi sa vie, qui est un homme effectivement méticuleux. Quand on était petite, c'est vrai qu'on ne voyait pas beaucoup papa et maman. On s'est rattrapés, je dirais, avec les années. Mais je pense que c'est quand même très important de pouvoir... C'est ça qui soude, en fait, la famille. Et on reste quand même fort soudés. Mais moi, je pense que j'ai une chance incroyable d'avoir un beau-père comme je l'ai et quelqu'un qui m'a partagé sa passion et qui m'a tout appris parce que bon, on a passé des heures et des heures ensemble. On venait le matin à 7h pour qu'il m'explique tout ce qu'il faisait de sa matinée et comment il entrevoyait de gérer le restaurant. Donc je pense que j'ai une chance incroyable et je le remercierai toute ma vie. Et si je suis là aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui. Dans cette cuisine presque intemporelle, un invité de marque et de passage aux côtés de Pierre Winans et de Lionel Rigolet. Cet invité n'est autre que Paul Bocuse. Le restaurant comme chez soi, j'ai beaucoup d'affinités parce que je crois qu'il a été créé quand je suis né, c'est-à-dire en 1926. C'est-à-dire qu'il va avoir 81 ans l'année prochaine. Tout démarre avec le grand-père, Georges Cuvelier. Il ne tenait pas à aller vivre dans la mine. Et il s'est engagé en tant que petit chasseur dans un hôtel à Mons. Pour terminer comme maître d'hôtel au Palace, Place Rogier, en ayant fait des stages en Allemagne et en Angleterre. Et puis alors, pour ouvrir, c'était pas le comme chez soi encore, c'était chez Georges, en 1926, au boulevard Maurice Lemonnier. Le grand tournant suivant se situe 10 ans après l'ouverture.
en 1936 et il est double. Simone se fiance le 13 août 1936 avec Louis Winans. Et le 20 septembre, le restaurant quitte le boulevard Le Monnier pour s'installer à quelques pas, dans un immeuble acquis par Georges Cuvelier sur la place Roupe. Le dimanche, quand j'étais à l'école, surtout quand je revenais de pensionnat, nous allions déjeuner au Comme Chez Soi, du temps où c'était deux générations plus tôt. Monsieur Louis qui était au fourneau, et donc on allait déjeuner, place Roupe, et je commençais à découvrir les bonheurs de la nourriture. De l'union de Simone et Louis, naît le petit Pierre, le 5 mars 1939. J'ai vécu dans l'ambiance familiale. Je me rappelle qu'à 3 ans, j'étais à côté de ma grand-mère qui faisait la plonge et j'essuyais les assiettes. Quand mes parents étaient de sortie, j'allais dans le frigo et je me faisais quelque chose. Je me rappelle que j'aimais beaucoup les rognons de veau genévriers, rognons de veau liégeoises. J'ai jamais pensé autre chose que de pouvoir continuer la maison. À l'Athénée royale de Soigny, ça se passait que moyennement. Et mon père, à ce moment-là, en milieu d'année, m'a déplacé à une école hôtelière ici en Bruxelles. J'étais tombé ici en Bruxelles avec une bande de sorteurs, une bande de copains. On allait jouer au kicker et suite. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, mon bulletin, il était plus rouge que le maillot du Standard. Et mon père a reçu une lettre. Je vous assure que ça a fait un choc à la maison, mais c'était le règlement de l'école et j'étais renvoyé. L'effet, ça a été dur. Il m'a fait directement commencer à travailler ici, chez lui donc, comme chez soi, en attendant de me placer dans un des grands restaurants de Bruxelles à l'époque. Il y avait le Savoie, le Carlton à l'époque. Il est parvenu à me placer au Savoie quelques mois après. Mais dans le fond, ça a été ma chance à ce moment-là, parce que j'ai dû apprendre sur le tas. J'ai été dans une grande maison où j'ai fait toutes les parties pendant 3 ans et demi. Et entre-temps, j'ai fait un contrat d'apprentissage. Et à ce contrat d'apprentissage, je sors premier. Les générations successives à la tête du Comme Chez Soi décrochent les étoiles. Tous les 13 ans. Mon grand-père étant maître d'hôtel, mon père étant boucher de métier, j'ai été le premier cuisinier de la famille. Mon père a apporté son savoir de par la boucherie, la connaissance, la qualité des viandes. Il était déjà connaisseur en vin, il l'a amélioré. Il est parvenu à avoir une étoile en 1953. J'ai eu la deuxième étoile avec lui en 1966. Et il est malheureusement décédé en 1973. Et là, j'ai eu un grand réconfort de mon épouse et ensemble, on est parvenu à décrocher la troisième étoile en 1979. À l'image du Comme Chez Soi, Michel Troisgros perpétue la tradition de la maison familiale à Roanne. La troisième étoile du Comme Chez Soi, il l'a vécu alors qu'il y terminait ses stages. On avait même fait une grande fête à Reims, je me souviens, dans la maison où était Chambon. En 2006 pourtant, avec l'arrivée de la nouvelle génération, le restaurant perd une étoile. Lionel, mon beau-fils, était déjà 12 ans avec moi. Tout le monde savait que depuis tout un temps, c'était lui qui dirigeait la cuisine. Mais enfin, c'est le jeu Michelin. Quand il y a un changement de direction, c'est la façon dont ils pratiquent. Lionel dit que c'est lui qui l'a perdu. Moi, je dis que c'est moi qui l'ai perdu. Ça fait dur. C'est très dur. J'ai eu deux choses en même temps. Dans le fond, j'ai eu la perte de l'étoile. Et puis tout d'un coup, je me suis rendu compte après, un petit peu la perte d'une partie de ma vie ici dans l'affaire. On avait quand même beaucoup de chance de pouvoir continuer avec les enfants. On a voulu continuer à traiter la clientèle telle qu'on l'a toujours fait. La clientèle nous a suivis. Mais ce qui est important, c'est que ceux qui y allaient d'habitude
et qui ont des tentations avec des facilités plus grandes ou des commodités plus grandes, continuent à y aller. Et ça, c'est le succès. C'est le succès. Et dans le cas présent, c'est le succès mérité. Les salons feutrés de la place Roupe laissent souvent place aux armées de cuisiniers lors d'événements internationaux. Comme ce fut le cas lors du centenaire du club d'Anderlecht, avec un menu composé spécialement aux couleurs du club, le mauve et le blanc. Anderlecht, précisément, dans la périphérie bruxelloise. Le club de Division 1 trouve en Pierre Winans l'un de ses plus fervents supporters. Regarde ce qu'il faut qu'il discute là. Oh, c'est... Le match fini, le cuisinier emmène toute sa famille au rituel des frites, chez son ami Patrick. Un paquet de frites, là. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. 7 avec mayonnaise et 2 avec andalouse. Et 1 avec rien du tout. Ah oui, ça c'est sûr, papa, on commence à avoir froid. Quel est le secret des bonnes frites? On va demander à Patrick, là. Première cuisson à 140 degrés. Après, on la laisse reposer. La deuxième cuisson à 180 degrés. Alors, c'est parfait. Lorsque le club finit brillamment la saison, joueurs et dirigeants viennent fêter l'événement au Comme Chez Soi. C'est à cette occasion, exclusivement, que le patron prépare des frites et que le vicomte Étienne d'Avignon les déguste dans les salons réservés pour la fête. Sa première expérience télévisuelle, Pierre Winans l'a menée aux côtés du réalisateur Gérard Corbiot. Moi, chaque fois que j'étais en contact avec des journalistes, je demandais toujours d'essayer de faire quelque chose pour la Belgique, de faire une photo avec des cuisiniers, avec des jolies filles, le sourire, de l'accueil, pour essayer de parler de la Belgique, de faire une belle photo, de mettre cette photo dans le commissariat au tourisme. C'est dans cet établissement que depuis 35 ans officient les frères De Vreeker, Eddie et Freddy. Alors, les frangins, là, comment ça va ? Fidèle supporter d'Anderlecht. Ça va aussi bien qu'Anderlecht ? Bienvenue chez les mauvais blancs. Et c'est après cette discussion qu'on a pensé faire une série de films qui vont retracer, pas l'histoire de la Belgique, mais les plus grands plats, les plus grands plats de la Belgique, les plus grandes recettes, parce qu'on a un patrimoine culinaire quand même important. Alors, pour éplucher les crevettes, il faut prendre le deuxième médaillon, tourner légèrement, presser, voilà, et presser de l'autre côté automatiquement, et on a la crevette toute fraîche. Tiens. Merci beaucoup. Dans le fond, c'est cette sole sans nom, là. C'est une spécialité de vos débuts. Elle m'a toujours suivi, parce que je pense qu'initialement, ça venait du Savoie. Ça venait du Savoie, mais moi, j'ai travaillé à l'Expo 58. C'était sur la carte de l'Atomium aussi. Hein. Ouais. Ouais. Moi, je l'ai amené ici. Et on a toujours essayé de savoir pourquoi l'appeler sans nom. Ouais. Et alors, on a essayé de la rebaptiser la sole braisée Belle Maraîchère. Mais je pense que... Comme c'est un vieux classique de la gastronomie bruxelloise, je crois que tout le monde est habitué. Hein. Ouais. Donc, ça restera toujours le sans nom, quoi. Ouais. Ouais. Voilà. Et dans ce genre de plat ici, c'est que ça a du goût. Oui. Et que ça plaît. Et c'est ce que je dis toujours à mes ouvriers, c'est que quand vous faites un plat et que le client, ça lui plaît,
Et qui dit, ah ça je voudrais bien encore une fois revenir manger. C'est là que vous avez gagné. Ah, ben voilà, exactement. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours changer toutes les cartes. Retour Place Roupe, derrière l'une des façades les plus photographiées de Bruxelles. Là, vous avez en vue l'apéritif maison. Cet apéritif est présenté dans une carafe où, à l'intérieur, vous avez un petit tube avec les glaçons qu'il garde rafraîchis pour tout le service. C'est à base de vin blanc cassis, hein, avec du gin et du Cointreau. Voilà, voilà dans la salle du Comme chez soi, qu'on a rénovée. Et dès qu'on a su que nos enfants allaient continuer, on a fait un hommage à Victor Horta. Pour réaliser ce décor, on a eu la chance de pouvoir être renseigné et conseillé par le dernier architecte qui était encore à ce moment-là en vie et qui avait travaillé avec Victor Horta et qui s'appelait M. Jean Delay. Alors ici, on a repris des idées de la maison Horta, avec ses vitraux et le jeu de tous les miroirs. De ce côté-ci, on a eu la chance de pouvoir aller visiter la maison Solvay, avenue Louise, et où on a repris l'idée du tableau qui se trouve au-dessus du grand escalier. Le Val Saint-Lambert nous a reproduit un vase tout à fait spécial qui datait de l'époque. Cette partie-ci, ça a été le départ de toute la décoration. C'est une grande porte en vitraux, d'Horta bien sûr, et qui se trouve au musée du Quai d'Orsay à Paris. Alors, on se trouve ici à la cave du jour. Ça veut dire température de service, qui tourne à environ de 16 degrés. Il doit y avoir environ entre 1500 et 2020 différents. Naturellement, notre carte de vin représente à 85% le vignoble français. Et pour le reste, ce sont les vins étrangers qui, eux, sont totalement vinifiés différemment et qui tournent plus facilement parce que ces vins sont plus rapides et plus vite prêts à boire. On a ici quatre galeries où les vins sont disposés par région. Comme ici, on a le Saint-Émilion. Et comme vous sentez que la température est légèrement différente, ça c'est la cave de conservation et où les vins sont en dessous de 14,9, qui est la température où les levures se réveillent. Celui qui a commencé à confectionner la grande cave, c'est mon père, qui a été un des premiers docteurs S20 de Bordeaux à l'époque. Et il avait déjà une très grande carte, qui était déjà très réputée. Et puis alors, il a été fondateur des maîtres sommeliers de Belgique. J'ai eu la chance d'avoir le titre de maître sommelier également. J'étais à cette époque-là, j'étais le premier maître sommelier et maître cuisinier en même temps. Mais ça m'a beaucoup, beaucoup aidé pour pouvoir continuer quand mon père est décédé. Tous les vins qui rentrent dans la cave ici sont dégustés en rapport à des vins adéquats, à peu près équivalents au niveau de l'origine, au niveau du prix. Et si les vins passent le cap, à ce moment-là, ils rentrent sur la carte. Tout au fond de la cave, derrière une grille en fer forgé, se cache le trésor. Chaque fois qu'il y a des grands crus qui rentrent, les nouveaux millésimes, on en met deux dans la cave aux collections. Et le pire jour de votre vie ? La perte de mon père. D'une vie vouée tout entière à la gastronomie et à la défense du patrimoine, Pierre Winans est parvenu à extraire le meilleur de lui-même, offrant à ses proches le plus beau des cadeaux, le respect du client et la transmission du savoir.
Mais ça, c'est le devoir de chacun. Je pense que bon, le maître transmet sa passion et puis aux jeunes à essayer d'apporter un peu son sens de la cuisine et son savoir-faire et sa vision des choses dans la cuisine. Donc je pense qu'il y avait des choses à changer. Il fallait prendre un peu des nouvelles techniques. Il fallait apporter... moi, je travaille pas mal les épices. On travaille les nouvelles techniques de cuisson. Et puis, bon, je garde toujours les bases solides de la maison. Toutes les bases sont importantes dans la cuisine. C'est, je pense, ce qu'il faut quand même... jamais oublier tout ce qu'il m'a transmis.